Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle aventure, parce qu'on peut appeler ça une aventure, et c'est Pokémon Bouclier. Allez, let's go, hein. Ah, j'ai un peu commencé. Et j'ai changé de perso, parce que mon principal personnage dans Pokémon Bouclier, je suis déjà arrivé très loin dans l'aventure. Alors, on fait la course juste à chez moi. Le dernier arrivé est un Estardo. T'y ressembles déjà pas mal. Avec ta valise là, t'as embarqué toutes tes affaires ou quoi? Hey! C'est ça que j'ai un pas. C'est te Nappy. Il nous attend jamais. Il nous attend jamais. Allô? Ah, c'est là. C'est un même beau. Pas que moi. Je suis le seul à avoir un bonnet. Nabil, elle m'a fait bonnet. Mam, c'est moi. Te voilà, Nabil. Oh, Tommy est là aussi. Entre, fais-t'en comme chez toi. Eh ben, il est où le frangin? Il n'est pas encore là. La patience, ce n'est vraiment pas ton fort, mon fils. Mais il doit être arrivé à la gare de Browin. Ah ouais, faut vite qu'on aille le chercher alors. Vu que j'ai loué de l'orientation, il sera capable de se perdre dans le chemin. Et je lui ai aussi assuré de mal parler. Oui, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Tommy, t'as jamais rencontré mon frangin? Tu viens avec moi, ça me fera trop plaisir de vous faire ton essence. Je t'attends sur la route. Ouais, il m'attend jamais. Ah voilà, c'est mieux. Ils ont tellement une arène pour jouer chez eux. Je dis non, ouais. C'est juste ça, regardez. Je suis là loin. Pas sûr d'aller, moi. C'est juste ça dehors. Je suis une allée, je peux même pas jouer. Tu es gentiment. Ouais, ils ont ça là, mais ils sont loin. Ils sont dans leur maison par rapport à la mienne. C'est le mien, meilleur. Allez, viens, on fonce. Fais juste une dev, Tommy. Il y a souvent des Pokémon tapis dans les autres herbes. Qui déroule sans prévenir. Moi ça va, j'ai mon petit mouton, je peux me défendre, mais toi t'as pas encore de Pokémon, donc t'as pas trop des autres serres. Promis, promis, mais maman, pas comment on me voit, coucou. Voilà, on y va. Ouais, il attend là. Moi bon, j'y vais, hein. Je t'attends pas, hein, flemmard. Bonne fois d'arriver avant. Je vais pas faire, non. Je vais aller dans les autres F, mais... Coucou. Ah là, c'est Tarak. Oh, trotte au feu. Chers habitants de Browin, votre maître Tarat est de retour sur ces terres. Je vais continuer de me battre et gagner pour vous, public adoré. Vive le maître, invaincu, Stratofeu, dit car Tarat, tu pourrais refaire une petite pause Stratofeu après? Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Continuez à élever vos Pokémon avec amour et bien les entraîner. Et sachez que je suis toujours disponible pour un combat, donc n'hésitez pas à venir me défier. On est super fan de toi, Tarat. On rêve tous de t'affronter. Mais Dratofeu est tellement trop fort pour nous. C'est vrai que Dratofeu est super fort, mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort. En vrai, les combats Pokémon n'est pas sorcier. C'est juste une question de volonté. Et quand on baille, c'est un peu moins moyen de lire.
pas prêté de lire ton bail. C'est pour ça que j'adore affronter des tricheurs qui en veulent. Je n'ai qu'un rêve fait de gala, une réserve de super tricheurs qu'on voit. Une réserve de super tricheurs qu'on voit, les meilleurs mondes gala number one. Draco! Et si vous aimez, les amis, à votre tour, on continue la suite. Si vous aimez bien Pokémon, bah abonnez-vous pour rater une thune de mes aventures. Bon allez. Frangin. Ah, ça, c'est Nabil. Ah, Nabil. Excuse-moi un instant. Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. T'as encore 30 dix? Arrête de me charrier, Frangin. Je serai plus grande que toi un jour. Je t'ai pu voir. Je vois que t'es venu accompagner. Laisse-moi deviner. C'est toi, Tommy. Je parie, mon frère me parle tout le temps de toi. On me surnomme Tara l'aventure. Je suis le maître de Galad et j'adore les dresseurs enchantés. Et ça vous dit qu'on fasse la course jusqu'à la maison? Ah là 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 là, ce Nabil, il est toujours autant l'esprit de compétition à ce que je vois. Il a horreur de perdre, mon petit frère. Ce qu'il lui faut, c'est un rival qui le challenge un peu. Sur ce, au revoir tout le monde. Et nous, on y va. Kratofeu Power! Les amis, là, ce Pokémon, il y a des niveaux 1, 2, 3, 4. Bah, 5 niveaux, par exemple, là, on est au niveau 1. Bah, toi, on arrive au fin du niveau 1. J'arrête la vidéo. Et la prochaine fois, enfin, on va faire le niveau 2. Alors, Franchin, il est où notre cadeau? Tu m'avais promis qu'on aurait un cadeau chacun, moi et Tommy. T'en fais pas, tu vas l'avoir, ton cadeau, un maître tient toujours sa promesse, ses promesses. Matez un peu ça, les minus. Vous allez se prendre plein les yeux. Attention, bonjour, coucou. Ah! Que Ron est ici. C'est pas assez joli parce que sur mes deux comptes, j'ai déjà pris le lapin qui s'appelle ce je sais plus comment. Sur le deuxième, sur mon autre compte, j'ai pris le bleu. Je crois que je vais prendre le vert. Je vais prendre lui. S'il te plaît. Les amis, je peux pas, je suis en pleine vidéo. C'est ça, hein. Quand on fait une vidéo, on est toujours dérangé. Ouspéto est de type fleu, il est calme et apaisé comme la forêt. Tu veux Ouspéto, le Pokémon de type plante? Oui! Non, en vrai, son prénom est beau, hein. Je sais pas si on peut changer les prénoms. Sinon, je pensais si on peut échanger les prénoms, vous mettez des prénoms, par exemple, si pour Wespeto. Si vous avez un prénom pour lui, bah, vous mettez en commentaire et bah, je vais le mettre. Tu pars sur Wespeto, très bon choix. À mon tour, l'Amélion, je te choisis. Ah, il a pris l'Amélion. En vrai, le meilleur, je pense, pour l'instant, ils sont très. Fois tous les trois.
Et très beau aussi. Du coup, c'est un peu compliqué de les choisir. C'est exactement pour ça que je suis au feu ces Pokémon à ton et à toi. Entraînez-vous ensemble et devenez assez fort pour me vaincre. Et lui, il va aller où? Comment il s'appelle déjà? Tant à toi, t'inquiète pas, c'est moi qui va t'adopter. Le métier, tu vas voir, il est aussi puissant qu'il est gentil. Les enfants, c'est l'heure des dîners. Il y a aussi à manger pour vos petits camarades. T'en joues, moi. À ça. Nabil, il a deux Pokémon. Taran, bon, c'est normal, c'est un mec. Mais moi, j'en ai qu'un, hein. Bon, c'est pas. C'est pas parce qu'on a un Pokémon que on n'est pas aussi fort. Le lendemain. Alors, comment s'est passée votre première soirée avec vos nouveaux partenaires? C'est bon, vous avez assez fait connaissance? Carrément. Ouspeto est déjà super fan de Tommy. Ah, cool. Vous avez déjà compris ce qu'il est le plus important pour un dresseur et surtout la confiance. À force de combattre côte à côte, vous tisserez des liens aussi forts que vous tinous. Inice, Kratofo et moi. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin digne d'affronter le maître aventure. Oui, ouais, enfin, ce qui va se passer, c'est moi qui va t'affronter. Il y a autant de doutes. Non, mais Nabil, il se prend trop au sérieux, lui. Hein. Mais en attendant, Tommy sera un rival idéal. Je te préviens, je vais tout donner pour gagner. Mais c'est pas parce que tu as un Pokémon que ça y est, t'es dresseur. Il y a un entraînement à suivre avant, faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Exactement. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vous propose donc de faire un petit combat amical tous les deux. On va voir comment vous vous débrouillez. Alors, tu es prêt à goûter au premier combat Pokémon de ta vie? Oui! Croyez fort à votre partenaire et prenez bien soin de lui, c'est la base. Mieux vous le connaîtrez, plus sera facile de choisir les bonnes capacités et vos combats. De choisir les Pokémon capacités et vos combats seront plus gratifiants. Ok, tout le monde est là? Alors go! J'ai vu tous les combats de mon frère et j'ai lu tous ces bouquins sur les Pokémon. Je suis quasiment un expert en fait. Je vais forcément gagner. Ouais. Pas trop vite, Nabil. Oh non, mais attends, il en a deux. D'accord, ouais. Mais je le sens pas trop ça, il en a deux, hein. Mouton. Ouspé. Kondo. Attends, fais gaffe, j'ai deux Pokémon. Ouais, t'inquiète, fais gaffe. T'inquiète. Oh, mais il a 5. Il est au niveau 5 sur mon mouton, t'es au niveau 3. Crif. J'ai peur, les amis, j'ai peur. J'ai peur de pas acheter, en fait. Ouais, c'est bon. Oh, attends, je vois la barre défiler et je suis pas en train de mon deuxième Pokémon. Il est pas en train de son. Ah, son. Ouf, super. Oh, bah en fait, ça va, je suis déjà niveau 6. Il apprend Tapotis. Ah, bah ok, monsieur. C'est pas fini, hein, t'as un Pokémon en réserve. Oh, mais ça va, j'ai gagné en fait. Il est au niveau. Fais mon nouveau. Ah. Quoi?
T'as déjà appris les infinitifs du type? Hé, bah ouais. Et voilà, Nabil, tu peux rien dire. T'as perdu. C'est déjà au niveau 7, les amis. Je suis à peine de commencer. J'ai quand même perdu avec deux Pokémon. Et ben, vous être balèze ou Steppo et toi. Eh ouais, j'ai gagné. J'hallucine. T'es super balèze en fait. Normal, tout mon français est décidé de donner un Pokémon à toi aussi. Certains, un super combat. Vous avez tout donné et ça se voit. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en voyant Tratofeu, tellement ça avait l'air bien. Bref, après l'effort, le réconfort. Venez ici que je chaîne vos Pokémon. En tout cas, Tommy, tu as du talent, tu seras un rival parfait pour Nabil. Frangin, je veux vraiment, vraiment me dépasser. Il n'y a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes. Ça, c'est bien, mon petit frère. Tu ne perds pas vraiment. Tu ne perds vraiment pas le nord. Ça te donne le défi des arènes. C'est tout de même le plus grand événement sportif de toute Gala. C'est un peu tôt, non? Avant de vous lancer, je pense que vous devrez apprendre à peu plus sur les Pokémon. Et pour ça, il vous faut un Pokédex. C'est l'outil indispensable du trésor car il permet de répertorier toutes les infos, car il prenait des répertorier toutes les infos sur les Pokémon rencontrés. Qui dit dresseur passionné dit Pokédex bien rempli, ne nous l'oublions pas. T'as entendu ça, Tommy? Il nous faut un Pokédex. Allons au laboratoire Pokémon pour récupérer un. Bonne idée, je vais prévenir le professionnel de votre arrivée. Compléter le poteau. Compléter le Pokédex, ça sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi. C'est très mon histoire, page après page. N'oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. Allez, j'y vais. Ah, blam. Hey, Tommy, t'as entendu ça? Ouais. Je crois ça. Non, non. Regarde, c'est ouvert. Il est passé où le moumouton qui était devant? Oh. La dernière fois qu'on l'a vu, il charçait la barrière. Oh, mais tu crois qu'il est passé? Humain ou Pokémon, personne n'a le droit d'entrer. Tu te souviens de quand la petite fille de la professeure y est allée? Apparemment, c'était pas la joie dans la forêt. Et je te raconte pas le savon qu'elle s'est pris en revenant. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On doit aller le chercher. Je sais pas ce que tu en penses. On doit aller le chercher. Complètement d'accord. On peut pas juste l'abandonner et faire genre qu'on n'a rien vu. Bon, j'ai décidé. On va le sauver. Bon, allez, on y va. Hein. Bon, même si j'ai pas trop envie d'y aller dans la forêt. Mais non, il ne laisse pas s'embrouiller en plus. Hein. Après là, les amis, on va faire la deuxième partie dans la prochaine vidéo. Où est passé le moumouton? Moumouton? Ouais. J'ai de la preuve en plus. Il faut vite retrouver ce pauvre pépère. Désolé, je sais pas aller. Bon, oh non. Ça, je pense pas l'apprendre. En fait, c'est facile, tu fais ça. Et. Mais ça va, il utilise ça tue, ça me fait rien. Et voilà. Bon.
Ah, mais à cette Pokémon, tu vas dans la forêt, on se bat tous trois. En vrai, lui. Je veux bien le prendre, mais je sais pas si on a des Pokéballs. Des Pokéballs. Je vais pas prendre le risque. Le. Attention, on le trouve partout celui-là. Ouh, mais ça fait mal ça. Mais mes photos. Quoi, je le finis même pas. Comment ça? Je pensais de l'avoir fini, moi. Il est au niveau 2, c'est au niveau 7. Allez, go. Bon, là, si je le finis pas, hein, ouais. Où mes pieds? Coucou les petits pieds. En bas. Oh. Bill, viens là. C'est le quoi ça, t'as entendu? Ouais, ils ont très bien entendu. Là, c'est mieux, les amis. Attends, laisse-moi soigner ton spectre. Ici. C'est bon, on est paré. Allez, assez d'entraîner, on fonce. Encore le même! Non, mais il aime bien lui! Il aime bien ce Pokémon ou quoi? Je te dis, tiens! Ah, il est un peu plus fort! Oh. Il y a un peu plus fort, je pense que ça va faire 3. Oh non, 2 fois. Je pensais aux 3 fois, mais non, c'est bon. Il est pas assez puissant en fait. Dépêchez-vous, Tommy. Je me fais trave des soucis pour les moutons. Ah non, non, mais j'ai pas envie d'y aller. On se fait disputer par tout le monde là. On s'entend de la forêt. On y va. On est obligé. Je le sens pas ce truc. Forcément, cette brume ne m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici. Ça. Il y a même pas son nom. Oh non. Non mais du pas c'est moi. Ça peut pas être Nabil. Il a deux Pokémon. Bon il est bien là. Mais il est au haut niveau. Mais ça fait rien. Le Pokémon mystérieux. Regarde. C'est quoi ce délai là, pas la capacité? Mais pourquoi ça veut pas? Les amis! Non, mais je crois pas là. Bon. On va de moins en moins. Tommy, on n'y voit plus rien, ça va? Eh bah, tombe bien. C'est pas tout tombé. Mais on peut rien faire! Ah, on voit plus rien. Moi, il se passe quoi? Ah, bah, ça revient à normal. Et nous. Bon, bah, d'accord. On est à terre. Nabil, Tommy. Frangin, comment tu nous as trouvé? T'as zéro sens de l'orientation. Ah bah d'accord. Dites que je me faisais du souci pour vous. C'est comme ça qu'on me remercie. Je vous ai entendu 3 plombs et... Mais vous, que personne ne se pointait.
J'ai fini par partir à votre recherche. Mon mouton, oui, le mon mouton, il a disparu dans les bois. On doit le sauver. Ah, bon, c'est bon, on l'a retrouvé. Enfin, il l'a retrouvé. C'est pas nouveau. Bon, t'inquiète, il va bien. Par contre, vous deux, quand c'est débarqué, vous étiez par terre complètement KO. Ça va pas la tête. Vous avez pourtant de la forêt interdite d'assez. Enfin, il n'y a pas à dire, je suis quand même fier. Ouf, on ne se serait pas retrouvé dans cette forêt brumeuse à se battre contre un drôle de Pokémon. Pourquoi? Comment ça, un drôle de Pokémon? De quoi tu parles? Il y a un Pokémon super fort et à débouler. Je l'avais jamais vu avant et impossible de le toucher. Les hackers lui passaient au travers. Tu sais, les gens racontent que dans la forêt de Shreepfoot, il y a un souvenir de Pokémon mystérieux. Si ça se trouve, ce ne sont pas des illusions en fait. Tu sais, si vous vous entraînez dur, vous arriverez peut-être à percer les mystères un jour. Mais pour l'instant, vous avez mieux de sortir d'ici. Allez, venez. Moi, je dis, on a plutôt assuré. C'est pas mal du tout comme début d'aventure, même si on s'est fait un peu fait tirer les oreilles par le français. Bon, les amis, on va encore se faire gronder si on s'en va sans le dire à personne. Rejoins-moi, tant t'auras prévenu ta mère qu'on part en promenade. Ok. Bon, les amis, la suite de Pokémon Bouclier dans la prochaine aventure. Et pour pas rater aucune de ces aventures de Pokémon, abonnez-vous, mettez la cloche, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!